Surprise la petite fée, quelle surprise veux-tu nous montrer? Tadam! Voilà, maman, voilà, nous sommes arrivés au parc. D'accord, allez, ça va aller. Eh, hey, bonjour Peppa. Oh, tu es venue en bicyclette parce que je vois très joli ce casque. Oh, oui, bonjour Frère la petite fée. Oui, écoute, on est là au parc avec les plus petits pour jouer. Moi qui avec très envie de voir Mimi Miaou aujourd'hui. Alors on est venu. Ah oui, Mimi Miaou, eh bien elle est là, juste dans le bac à sable, avec Sipi, son papa adoptif, mais elle n'a pas vraiment envie de jouer aujourd'hui. Elle est un petit peu bizarre, hein. Bon, allez, moi par contre, je vais jouer. À tout à l'heure. Bon alors moi, qu'est-ce que tu veux? Aller dans le bac à sable avec Mimi Miaou? Peut-être qu'elle ira mieux avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Alors vas-y. Mimi Miaou, regarde-moi que moi qu'elle a. Coucou. Oh, quel amour. Oh là 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 là. Mais quel éternuement. Oh là là. Elle m'en a mis par terre. Elle m'a fait tomber avec son achoum énorme comme ça. Oh là là, oui, moi aussi elle m'a fait tomber. Oh là 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 là. Bon, oh, coucou Médor. Petit Médor d'amour. Oh, et regarde, Shaggy est là. Oh, coucou Shaggy, tu ne me mords pas hein, aujourd'hui. Oh, il me lèche. Oh, oh là là. Et Paola, emmène ton chien. Mais comment veux-tu que je l'emmène? C'est toi qui es venu jouer avec lui, Georges, hein? Oh, Woulouwouf, qu'est-ce qui se passe? Tu es inquiet? Mais pourquoi? Oh, ta sœur. Ah oui. Oh, elle t'a piqué ton bonnet. Oh, Loulou. Bon, peut-être qu'elle n'est pas bien, je n'en sais rien. Je vais voir avec toi. D'accord, tu penses qu'elle avait froid? Bon, je vais voir ça avec grand-mère Chloé. Peut-être qu'elle en saura plus que nous. Très bien, Woulouwouf. Ne t'inquiète pas, mon Loulou, ça va aller. Grand-mère Chloé, savez-vous ce qu'a Mimi Miaou? Oh, écoute, ma chérie, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que j'ai essayé de la faire rigoler toute la matinée. Rien, rien à faire. Rien à faire, pourtant c'est une petite fille qui rit énormément. Tout à l'heure, il y a un chat qui est passé juste devant, là. Miaou, miaou, miaou. Oh, elle adore les chats, mais elle ne l'a même pas regardé. Ça n'a fait strictement rien. Oh oui, effectivement, ça ne ressemble pas du tout à Mimi Miaou, elle qui adore les chats. Attendez, je vais voir. Viens ma belle, alors Mimi Miaou, qu'est-ce qui t'a... Oh, mais elle est toute brûlante, effectivement. Oh ma choupette, il est possible que tu aies de la fièvre. Attends, regarde, j'ai amené ton biberon, je vais t'en donner un petit peu, peut-être que ça va te faire du bien, voyons voir. Allez, tiens trésor, ça va aller. Tu n'en veux plus déjà, mais tu n'as rien bu. Oh, oh là 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 là. Oui, je pense qu'elle ne va pas très bien. Ça m'inquiète un petit peu. Elle doit être un petit peu enrhumée. D'accord. Achou! Ah, voilà. Qu'est-ce que je disais? Elle éternue. Alors viens. On va t'envelopper dans ta petite couverture et je vais t'emmener voir le médecin. D'accord? Bon. Grand-mère Chloé, ça ne vous embête pas si j'emmène Mimi voir le médecin? Oh non ma chérie, vas-y. Paola, Peppa, elles sont là, elles vont m'aider à gérer les autres, ne t'inquiète pas. Oh, je peux avoir confiance en elles, j'en suis sûre. Va soigner notre petite Mimi Miaou. Très bien. Alors, je dois avoir le petit sac Lando de Mouak Mouak. Hop, je mets Mimi Miaou à l'intérieur et on y va. Allez, à tout à l'heure. Oh, mais ne pleure pas, enfin, Woulouwouf, ne t'inquiète pas. Elle va bien aller, ta sœur, d'accord? Oh, c'est peut-être un petit rhume. Oh, ne t'inquiète pas, d'accord? Ça va aller, mon loulou, regarde. Je vais te faire des bisous. Ah, oh, je fais les mêmes bisous que moi, dis donc. C'est vrai. Oh là là. Oh non, c'est pas possible, je peux même pas regarder moi. Oh ça me donne le mal de mer. Oh là là, ça tourne, même les chiens sont montés. Oh là là, Médor, oh Shaggy, oh ne vomissez pas vos croquettes, hein. Oh là 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 là, je ne sais pas comment vous faites. Bon, en tout cas, moi pour Mimi Miaou, ça m'inquiète un petit peu. Dans 5 minutes, j'appelle Fraise la petite fée. Ah, merci beaucoup, docteur Mariguita, de nous recevoir. Oh, je suis tellement inquiète. J'ai essayé d'appeler. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Fraise, enfin? T'as l'air vraiment, vraiment préoccupée. Oui, en fait, j'ai essayé d'appeler la patte patrouille, j'ai essayé d'appeler Bellyville. Personne ne décroche le téléphone. Mimi Miaou est malade, je ne sais pas ce qu'elle a et ça m'inquiète. D'accord, on va voir ça. Qui s'occupe de Mimi Miaou? C'est Sipi qui l'a adoptée. Sipi?
Mais oui, je sais ce que tu vas dire, mais voilà, je vais l'aider aussi, d'accord? Sipi s'occupe de cette petite merveille et moi, je l'aide à s'en occuper, d'accord? D'accord. Bon, écoute, je m'y connais un petit peu en Belly. Oui, elle a pas de bonne mine du tout, cette petite Belly. Hein, elle est un peu pâle, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre quand même quelques renseignements sur elle, ok? Alors, le nom complet, s'il te plaît. Oui, c'est Mimi Miaou. Très bien, Mimi Miaou. Ensuite, son père, alors c'est Sipi. Sipi qui l'a adopté. Et puis moi-même, Fraise la petite fée. Très bien, père Sipi, mère adoptive. Fraise la petite fée, ok. Sa date de naissance, oui, c'est le 27 mai 2018 à 15h03. 27 mai 2018 à 15h03. D'accord. Sa couleur préférée. Oh, l'orange. Le orange, évidemment. Très bien, quelle est sa tâche de naissance? Un chat, c'est un tout petit chat. D'accord, un chat. Et le caca qu'elle a fait, c'est un pim-pam-pou. Oh, la pauvre, un pim-pam-pou. Oh. Bon, je pense que Mimi Miaou est née un petit peu trop tôt. Elle doit être prématurée, née avant l'heure, d'accord? Bon, je vais l'ausculter. Tu peux la sortir du lit, s'il te plaît? Et la poser là-bas sur la table d'auscultation? Oui, bien sûr. Allez, viens là, ma belle. Oh, voilà, ne pleure pas, d'accord? Ne pleure pas, ça va aller, je suis là. Et le docteur Barriguita va trouver ce que tu as. Ok, allez. Fraise, est-ce que tu peux lui retirer la couverture, s'il te plaît? Si elle a de la fièvre, il est mieux qu'elle ne soit pas justement enveloppée dans une couverture. Oh, oui, tu as raison. Tu as raison. Voilà. Hop, je vais la plier. Elle adore cette petite couverture avec chat. Oh, regarde, c'est cette marque-là qu'elle a sur les fesses. D'accord. Voilà, est-ce que tu pourrais lui retirer la tétine? Bien sûr, j'espère qu'elle ne va pas pleurer. Voilà, on ne pleure pas, Trésor, on ne pleure pas. Je reste avec toi, d'accord? Alors, mademoiselle, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de toi, d'accord? Alors, tu es un petit peu chaude, oui. Bon, alors voilà ce que je vais faire. Je vais tout d'abord écouter ton cœur, ma petite Mimi Miaou. D'accord? On va écouter ce joli petit cœur. Allez, respire bien fort. Ton cœur bat un petit peu vite. Bon, ce n'est rien d'alarmant, hein, mais ça peut être un symptôme. Voyons voir, on va te rafraîchir un petit peu, comme tu as de la fièvre. Voilà, ça va te faire du bien. Cette petite éponge est très très fraîche. Voilà, sur le front. Oh là là, la pauvre. Hop là, et sur les pieds aussi. On refroidit les deux extrémités du corps. Voilà, bon, je vais reprendre ta température. Dis ah. Oh là là, oui, 40 de fièvre encore. Oh, c'est énorme pour un petit bout de chou comme ça. Bon, voilà ce que je vais faire. Je vais passer une radio très très rapide, d'accord? On va faire ça rapidement. Tiens, attends, avant les oreilles. Non, bon, les oreilles vont très très bien. Ça c'est parfait. Alors, la radio. On va voir, elle va nous dire s'il y a quelque chose au niveau... Oh, ça y est, j'ai trouvé. Il faut que tu ailles en couveuse, ma chérie. Tu as un cas de frietis moridis. Oh, mais qu'est-ce que c'est, frietis moridis? Oh, ce n'est rien, Fraise la petite fée. C'est un gros rhume, en fait. D'accord, elle a dû attraper froid. Oh, je suis sûre, c'est parce qu'elle dort avec Pinky Twink. Oh, c'est possible. Pinky Twink, celle qui bouge. Oui, celle qui bouge tout le temps. Oh, elle a dû lui retirer la couverture cette nuit, à faire ses sauts de cabri, là. Et du coup, résultat, elle a attrapé froid. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, ce n'est pas très très grave, hein, Fraise la petite fée. Ne t'inquiète pas, ok? Bon, on va l'emmener en couveuse. Ça va lui permettre de se réchauffer, de se reposer. Et elle en sortira en pleine forme. Oh, merci beaucoup. Oh, pardon, mon téléphone sonne. Ça doit être grand-mère Chloé. Allô? Oh, grand-mère Chloé. Oh, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour notre petit trésor, hein? Elle va bien? Bon, elle doit aller en couveuse, d'accord? Mais, oh, en couveuse? Mais pourquoi en couveuse? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire à cette petite? Oh, qu'est-ce qu'elle a? Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Elle a attrapé un rhume, donc ce sera mieux pour elle. Oh, oh là 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 là, ça m'inquiète. Allez, tout le monde à la maison. On rentre, je suis inquiète. Allez, on y va. Mais non, grand-mère Chloé, pas de panique. Bon, d'accord, bisous. Allez, au revoir. Oh, grand-mère Chloé est très inquiète. Oh, oui, grand-mère Chloé est souvent inquiète pour les Bellies, hein. Elle les aime beaucoup. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu peux me rapprocher, Mimi Miaou, s'il te plaît, de la couveuse? Tu vas voir, c'est une couveuse de dernière génération. Elle est géniale, géniale. Waouh, vraiment? Oh là là, oui. C'est parfait.
Alors, installe-toi là, petit trésor. Tu vas voir, on te voit de l'autre côté. C'est transparent. Hop là! Ça va chasser tous tes petits microbes. Tu vas te reposer et tu vas aller beaucoup mieux. D'accord? C'est bon comme ça? Attends, il faut relier ça. Voilà, vas-y, fais le fraise. Merci. Ça va nous aider. Ce petit tuyau va nous aider à avoir toutes ses constantes, sa respiration, etc. En fait, c'est un modèle très récent, spécialement conçu pour les jumeaux. Et comme elle a les jumelles de Willy Woof, c'est pour ça que, hop, juste là, il y a leur photo quand ils étaient à Belleville. Et du coup, ça va nous permettre de voir comment elle va, si ses constantes progressent, etc. Oh, regardez, je vois qu'elle sourit déjà, Mimi Miaou. Je vais rester ici, moi, pour la surveiller, d'accord? J'aurai toujours un œil dessus. Ah là 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 là, j'ai vraiment eu très peur. Moi aussi j'étais inquiète, mais finalement Mimi Miaou va aller beaucoup mieux grâce à notre docteur Barbita. Bon, les enfants, qu'est-ce qu'on pourrait laisser en commentaire? Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Laissez en commentaire quel est votre belly préféré. Est-ce que vous avez pu en adopter un? Oh, lequel? Oh, moi je voudrais tous les adopter. Mais bon, je les ai déjà tous en fait, puisque je peux tous les voir. Bon, et rappelez-vous que la chaîne est totalement gratuite et qu'il faut s'abonner pour voir tous les épisodes et n'en manquer aucun. Ouh, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouh.